Ouais, bien revenu sur, bah, bienvenue de nouveau sur Comme d'habitude Gaming. Pour la suite du Witcher. Donc on est au guet là. Hein. Ah bah j'étais déjà passé. Ah oui, c'est pas là qu'on se frite le griffon ou je sais plus quoi. Alors lui. Vengeance. Vengeance. Tellement plus de vengeance. Allez, 3 rayons de miel, ça m'en fait 11. Attendez que ça constitue le gros de mon alimentation, d'ailleurs ça fera 10. Je suis comme ça. Donc là c'était côté griffon, on n'a rien laissé. Ah si, on avait laissé un garde, j'avais laissé un garde. Avec une épée longue de Vélène et son Altesse Impérias Emir Von Var Emreis. Et 8 couronnes. Oh, t'es blindé mon cochon. Je sais pas qui t'étais, mais qu'est-ce que t'étais blindé. Et ici des os. Avec plein d'orins. Donc 20 orins par-ci, 23 orins par-là. Il y a un écho. C'est un site d'énergie, ça. Un site d'énergie. Exactement. Il devrait y puiser. Donc un petit site d'énergie qui était derrière la carcasse de la maman griffon. Si vous avez le jeu, vous l'avez déjà fait. Moi, je me suis endormi complètement, désolé. C'est à côté, je les appelais. Voilà, un petit lieu non découvert encore. Hein. Bon, est-ce qu'on va nous vendre un peu de baston quand même? Ouais. Butez-le, dépouillez-le et balancez-le dans un fossé. Oh 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 oh. Ça picote en dessous de la barbe, hein. On a gagné un petit peu d'huile. De la viande séchée, une épée de nuit gratte toute pourrie comme d'habitude. Kit de réparation d'armure d'abatteur et une épée rouillée de comme d'habitude gaming bien sûr. Hein, ça change pas quoi. Cuir usé, il n'y a même pas d'armes. Il y a ceux qui en ont, il y a ceux qui en ont pas, hein. C'est comme ça. Alors, ramassons. Non, en flamme ça, enfin, n'éteins pas les bougies, mon ami. C'est pas fou comme ça. De l'eau, de l'évercule, c'est un objet magique visiblement. Alchimique, du beurre, une fiole. Ah, de l'eau ducale, une pierre de vin, un schéma d'épée dorienne, une page arrachée, décoction de Katakan. Katakan, je sais rien. Un Alka Est, un champion de Vizima, une bière quoi. Et 25 orins. Oh, c'est cool. C'est un petit coffre sympa, dites donc. Et encore là aussi. Ouh, et de l'argent. L'argent en poudre, donc, pour l'alchimie. Rusé, Berlus, Herblonde de Redania. Voilà. Les petits alcools que vous consommez en plus à chaque fois que vous avez... Ils ont l'air assez loin. À chaque fois que vous consommez... à chaque fois que vous faites une méditation, vous consommez régulièrement un alcool fort. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous reste beaucoup de choses à voir? Je pense pas. Ah, si, il faudra que je vous amène du côté de la Syrie. On va assembler... ouais, je pense que je vais assembler un grand épisode. Bah, vous savez quoi? On se retrouve à côté de la Syrie. Hein. Je vais pas vous embêter avec les détails. Je pense que la vidéo, déjà, avec tous les dieux, sera déjà suffisamment assez longue. Donc, je vais pas vous embêter plus avec ça. A tout de suite. Ok, bienvenue à nouveau sur Comme d'habitude. Donc on va continuer à poursuivre. Et donc il y a un peu de sang, un peu de bras là. Ah bah il y a un peu de loup aussi. Non? Où est le warg? Où est le warg? Il est là. Voilà.
Bulwark. Vous pourriez me remercier, les biches, hein. En échange, je veux bien récupérer une tête de l'une d'entre vous. Voilà. J'aurais bien voulu le serre. Elle a l'air trop, elle a l'air géniale. Agouin. Ah, je ne l'aurai pas. C'était pas mon destin. Je suis chez toi, encore toi. Là, toi. Bon. On voit un peu rouge, hein. Il y en a partout, des loups. Oh, on se fait du chien grillé, hein, ça va plus vite. Hein. D'accord, c'est infesté de... C'est infesté de sales bêtes. Bien, ils sont tout contents et ils viennent avec l'aube en plus. Je suis vraiment tout content. Et donc leur village ressemble plus à grand chose. Hein. Oh, je veux bien utiliser s'il te plaît. Voilà, ça c'est fait. Et la table, non? Par contre, vous êtes gentil, j'avais des cadavres de ghouls. Vous venez d'où? Oh, vous m'avez enlevé tous mes cadavres de ghouls. Oh, ils m'ont enlevé tous mes cadavres de ghouls. Eh, ça se fait pas, ça. Vous en du avez coup, y a rien à pouiller. Alors, ça, c'est une arnaque, ça. Ça, c'est une arnaque. Allez, ça va que t'es un marchand. Hein. Ah bah oui, ah, ah saleté va. Je fabrique une fronde, je vais aller chasser l'ours. Je vais pas me faire fumer par des moustiques quand même. Oh, ça c'est trop fort. Aïe, ils sont cuits les moustiques, tu vois. Ben voilà. Deux petits rayons de miel. On va se retaper un petit peu, justement. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à piquer chez vous? En fait, vous êtes en train de retaper les lieux. Hein. Ah, ils sont en train de tout retaper. Ce qui n'est pas inintéressant. Une chair pourrie, ouais. Bon, tu gardes ce que tu veux chez toi, tu me diras, mais bon. Cinquième essence, cinquième essence, donc vert comme ça, vous connaissez la chanson, c'est 95 sans plomb. Hein. Des clous, enfin un clou, ils ont un coffre avec un clou dedans. Je vais y récupérer derrière. Il y a un autre nid, alors là, je vais le récupérer aussi. Hein. Vous avez compris que les abeilles sont mes ennemis, hein. Il faut les exterminer elles aussi. Hein. Voilà, comme ça qu'on extermine des abeilles. Donne à manger. Hop. Voilà. Hop, je vais en croquer deux. On va se régénérer un peu. Il reste plus qu'à prier. Ouais. On aurait le malheur de vous épargner au moins. Ouais, tout à fait. Il reste plus que ça à faire. Et fais le bien. Alors, ça, je suis rentré dans ta maison. Il reste un tonneau ici à piquer, avec juste une fiole dedans. J'ai envie de dire c'est pas perdu. Est-ce que j'ai déjà marqué l'emplacement suivant? L'emplacement suivant est marqué. On va y aller. Ouais, le temps que je ramasse sa blette, on y sera. Qu'est-ce que ah, mais en plus, il y a de l'animation entre deux. Des loups. Moi, ça me va, des loups. Hein. Ah, mais c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague.
Ah bah c'est bien, je vais faire le plein de nourriture, hein, c'est cool. Et hop, on va s'en manger deux d'ailleurs. Trois rayons de miel et un troisième, et on en a toujours 12. On a toujours un peu de marge. Ici les loups, est-ce que vous, qu'est-ce que vous fichez là? Les loups. Oh! Je vois un autre cadavre sur mon radar, celui-là il est pas de moi. C'est un lièvre. Le warg. Bah il est bon aussi. Il fait fumer comme le lapin. Bon. Ouais. Allez donc dans cette direction. Hop 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous montre sur la carte. Hein. C'est à mi-chemin. C'est un vieux tronc d'arbre creux au milieu. Avec 4 rangs de temps. Ça vaut pas grand-chose, mais c'est ça. Ah, c'est bon d'être un gitan. Alors. Elle dit pas que c'est un archer. Oh, est-ce qu'il est l'autre, mais. Je vais te crever, Sharon. Ah, erreur fatale. Alors un peu cul mon ami. Pour faire grand chose pour lui. Lui il est cuit. Oh je sais pas regarder. Alors là deux charbons, un clou, un schéma de gambison citadien, sidarien, une paragée de décoction de spectre de midi et une jacque de Kedwen. 15 aura. C'est rentable. Cette affaire. Du miel. Du miel. Oui, faut prendre. Ah, le miel, c'est rentable. Hein. Vous en trouvez un peu partout dans le coin, là. Ça vaut le coup de perdre un peu de temps avec. Hein. Ouais, bon, toi, t'as du toc comme d'habitude. Un orin. Ouais, ça, c'est une fleur. Un kit de réparation d'armure d'amateur. Un alka est. Une peau de chèvre. Et là, de l'eau, une épée. L'eau sans aucun doute le plus rentable. Et d'ailleurs j'ai tombé un peu de miel par là. Je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré. Et donc le. Ah mais non, n'éteins pas le feu. 9 florins, 4 cotons, une peau de cheval, 5 couronnes. Le petit coffre est assez rentable. J'apprécie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme lieu? Je crois qu'il y en a encore un dans le coin qui est pas trop loin, c'est ça. Espèce de péninsule. Alors ça, c'est pas considéré comme un lieu, mais j'y jetterai un coup d'œil. Je pense que ce sera pas enregistré. Je jetterai un coup d'œil, et si ça vaut le coup, je vous l'enregistre et je vous le servirai. Sur un plateau d'argent, c'est bien connu. Là, une bestiole, une bestiole, une bestiole, une bestiole. What, t'es quoi, toi? Oh, t'es quoi, toi? Oh, t'es marrant comme truc. Miage de gaz, dans les zones marécageuses, sont aussi on est garde, ok. Empoisonnement, oui, d'accord, ok. Bon, je peux me laisser le tuer, oui. Hein? Oh, des coffres. Hmm. C'est dans la zone. Dans la zone d'empoisonnement, oh, oh, on s'en fiche, hein. Empoisonne un petit peu pour un coffre, ça vaut vraiment le coup. Par contre, je crois ça c'est nul. Donc, c'est un coffre au trésor hein, d'ailleurs. Un emplacement coffre au trésor. T'as pas des plantes propres à ton type de marais là? Du monde. Ouais. Oh, bah, ouais. Pas l'air d'y avoir grand chose d'autre dans le coin. 2-3 bestias visiblement. Des noyeurs classiques, avec pas d'originalité, mais un peu rien du tout. Il y a une créature sur la berge, je suppose que c'est un noyeur aussi.
pas de matos celui-là en plus. Arnaque. Les plantes, c'est du classique. Et le pain vers la berge, c'est quoi? Il a disparu du réseau. Pas trop ce que c'est, mais il a disparu du réseau. Ah, il est par là. Tac. Ah, c'est encore un joueur, quoi. Eh bien, l'autre, il est un peu original, là pas trop, là. Fais gaffe, faites trop dans l'originalité. Bon, écoutez, on y est, hein. Je vais donc vous le montrer, hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais vous montrer ça. Un petit tonneau qui explose. Une plante que je de verveine, donc qui n'est pas trop dans le style local. Ça, c'est juste des noyeurs. Classique. Même pas, c'est même pas intéressant de les relever, quoi. De relever leur existence. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est un buisson fleuri. Tac, tac, tac. Des plantes. Donc j'ai l'impression que cette zone, il n'y a rien en fait. Pour mon petit sac à plier, il n'y a rien. Je vais aller vers la maison qui est là-bas. Il y a un noyeur ou deux là. Allez, approche. Il y a un couteau qui fatigue. Ça, c'est le symbole de. Il serait peut-être temps que je répare mon couteau. Ça veut dire. Quand votre couteau il est pas trop neuf, vous parlez plus rien. Hein. En fait, d'où l'utilité en fait surtout d'esquiver, c'est que vous évitez d'abîmer votre arme. Vous lui évitez beaucoup d'usure. Une zone empoisonnée. Ah bah je suis mort. Dites donc, encore mieux. Bon, de toute façon, il y a rien dans cette zone. Hein. Vous l'avez vu. Il y a rien à voir, y a rien à boire, il y a rien du tout. Quoi. C'est déprimant d'ailleurs. Bah écoutez, en attendant, bah, c'était Knarfunk sur comme d'habitude gaming pour The Witcher, et je vous dis bah, à la prochaine. Ciao! Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming. Je vous refais cette petite session parce qu'en fait dans le village j'avais oublié de vous faire ce coffre dans la maison. Vous savez le petit village que je vous ai fait précédemment. Donc voilà, je vous avais oublié ce petit coffre avec du matos dedans, et du coup ce que j'ai regardé aussi, ce que j'avais pas spécialement trop regardé, en plus des tonneaux qui sont là-dessous là, c'est que quand vous partez par là, il y a quelques nesquers qui traînent. Donc si vous voulez récupérer des ingrédients sur des nesquers, il y en a quelques-uns là-bas. Donc voilà. C'était juste le petit post-scriptum, on va dire encore. Je vais devenir très fan de ça, je le sens bien. De Knarfunk, je vous dis de plus sur comme d'habitude gaming. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.